le port. Que ce mal-être en agriculture, il doit cesser à un moment donné. Moi, ça me perturbe franchement que des gens qui se lèvent le matin pour nourrir, pour travailler, pour faire bien son boulot, qu'un jour, à un moment donné, ils finissent par avoir ces tentatives ou en finir par mettre fin à leur vie. D'ailleurs, c'est des drames de famille. Et je crois que ça n'a pu exister. On donne des perspectives. La jeunesse, vous êtes énormément de jeunes. Ben, c'est en fait ça, vrai. Et à ce moment-là, je voudrais aussi avoir une pensée pour Christophe Pilon. Puis après, il y a plein de prénoms qui me viennent en vue. C'est tous des gens qui ont mis fin à leur vie. Aussi parce qu'il y avait ce métier qui, à un moment donné, les tenait tellement à cœur qu'à un moment donné, il y a la petite goutte d'eau qui a fait déborder. C'est Jean, c'est Joseph. Mais des prénoms, je suis sûr que vous en avez plein dans la tête. C'est juste qu'on ne veut plus entendre ça. Et donc, pour tous ceux qui le souhaitent, on peut se retrouver, bien sûr. Alexandra est décédée. Camille, sa fille, et puis son mari qui aujourd'hui va un peu mieux mais qui est quand même encore à l'hôpital, laisse une fille de 10 ans, laisse ses collègues qui étaient sur le barrage, je pense, j'ai aussi une pensée à eux, parce que c'est quand même des choses incroyables.